Tu vas partir à la chasse à l'ours avec les enfants et leurs parents. Pour cela, tu dois être en tenue confortable avec des tennis afin de ne pas glisser si jamais tu es sur un parquet. Tu peux être à l'extérieur ou à l'intérieur. Il faut que tu aies quand même un petit peu de place parce que tu vas marcher. Oh, une forêt sombre et profonde. On ne peut pas passer dessus. On ne peut pas passer dessous. Allons-y. Il n'y a plus qu'à s'y enfoncer. Tu as besoin pour cette activité d'une peluche ou d'un objet que tu peux poser sur ton dos. Tu vas marcher avec les mains par terre sans faire tomber l'ourson qui est sur ton dos. S'il tombe, tu le ramasses et tu le remets sur ton dos. Tu le fais comme ça 2 fois. Dans la forêt, tu vas ramper d'un arbre à l'autre arbre. Je m'allonge et ce sont mes bras et mes jambes qui me font avancer. Donc comme tu n'as pas d'arbre, tu vas aller d'un meuble à l'autre. Dans la forêt, tu vas marcher sur le dos comme une araignée. Bravo, tu t'es enfoncé dans la forêt sombre et profonde. Si tu veux, tu peux refaire les activités plusieurs fois